Yo les gars, on se voit sur de Manchester King. Oh putain, Mafia Edition. Là, je vais voir mes stats de des trucs. J'ai 86,1% d'hommes, 13,9% de femmes, 67% français. Ok. Sous-titres. Ok. Non, non, mais ok. J'ai. Quoi? 94% de gens qui regardent mes vidéos, pas abonnés, c'est grave. Mais c'est pas grave. Ok. Mais pourquoi j'ai pas beaucoup de femmes qui suivent plus des hommes? Eh hey, les gars, vraiment. Et j'ai même une tranche d'âge. Entre 25 et 34, il y a des gens. J'ai plus de pourcents. Entre 24 et trucs, dégage. Mais dégage, voilà, bah, si j'y suis. Plus. 34% des 35-44. Quoi? En gros, j'ai plus de. En fait, j'ai plus de gens que de 25, de 30, et de 25 à 34 ans. Et de 35 ans à 40 aussi, j'en ai. Mais pas plus. Pourquoi il y a plus de garçons qui me suivent que de filles? C'est bizarre. C'est bizarre. Mais bon. The Bee, on n'est pas là pour ça. J'ai vu qu'il y a beaucoup de vidéos quand même qui font des vues. Franchement, j'aime bien. Mais abonnez-vous s'il vous plaît. Faites pas les bâtards quoi. Abonnez-vous. Ma vidéo qui a plus marché, c'est le 28. C'est celle qui a 28 jours. 1685 vues. The Bee, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Quelle banque alors? La Grande Impériale, vers le centre à côté de North Park. Ouais, j'y suis déjà allé. Y a un bail. Pas beaucoup de sécurité, des issues partout. Les employés opposeront pas de résistance. Attends une seconde. Hein. Je peux pas tout seul. Pourquoi pas? La question de trafiquer de l'héros. D'autant qu'on touche que dalle. Et puis. Ouais, je sais pas. Je veux plus jamais me retrouver dans cette rue. Quelle rue? Dans cette rue, à genoux. Regardez cramer une pauvre femme qui avait rien demandé. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Pas de bol. On connaît que ça, nous, le pas de bol. Je t'assure, Tom, ce plan est béton. Je te l'aurais pas proposé si je n'étais pas absolument certain du truc. Faut voir. Je m'engage pas sur ce coup tant que je suis pas certain. Si je me fais choper, Sarah me quittera. Attendez, hein. Désolé, est-ce que je réponds à un abonné qui me pose une des questions en commentaire? Une petite famille à protéger. J'ai pigé. Mais imagine ce que tu pourrais faire pour eux avec tout ça. Fais gaffe, mon pote. Tu t'avances en territoire ennemi et t'as pas de boussole. Ouais. Je sais pas ce que ça fait de rentrer voir sa femme et ses mômes. Mais c'est pour ça que je le fais. Qui va vouloir de moi? J'ai presque 40 piges et j'ai rien d'autre pour moi à part mon casier judiciaire. Mais si on y arrive, j'aurai assez pour enfin lâcher tout ça. C'est ma chance. T'es pas vraiment taillé pour la vie de famille. Dans 6 mois, tu te tires une balle tellement tu feras chier. Merde. J'en ai plus rien à foutre, j'ai rien à perdre. On reste encore ici 6 mois. À jouer aux cartes et à dire des conneries. On commence à se relâcher. Et d'un coup, tout se met à péter et je dois me secouer si je veux pas crever.
Un jour, je lutte pour pas m'endormir pendant une des histoires du glorieux passé du Don. Une histoire que j'ai entendue un million de fois, et le lendemain, je me fais tirer dessus. Et je me fais dessus tellement j'ai des fois. J'en peux plus, putain, Tommy. C'est pour ça que tu veux faire ce coup? Je sais que c'est un attrape-couillon. Tous les mafieux rêvent de faire un dernier gros coup avant de se ranger. Mais si on le fait... Je sais pas. Je me dis qu'on pourrait récupérer de quoi ouvrir une petite pizzeria, un truc dans le genre. Ouais. Mais si on décide de le faire, on doit attendre que les choses se calment. Je savais que t'étais intéressé. Peut-être. Je m'occupe des clients, tu t'occupes du directeur. Si les menaces donnent rien, fais ce qu'il faut. Il garde les clés sur lui. Si un digiti déclenche l'alarme, on a combien de temps? 5 minutes. Peut-être plus, avant qu'il réplique. Et si ça part en couille? Tom, je suis très sérieux là. Si t'entends des coups de feu, ne remonte pas. Tu t'occupes du fric. Point barre. Vraiment des débilos, ça. Franchement, sur cette terre. Excusez-moi, je parlais pas à vous abonner. Je parlais à un mec là qui. Pas la fille, mais un abonné, je sais pas quoi. Qui dit ah non, tu sais que Valhalla il était gratuit jusqu'au 28 d'après les payants. Bah ouais, du con, c'est logique. Je veux voir tout le monde par terre. À terre, putain. Pas vous, mesdames. Bougez pas, que je puisse vous admirer. Le premier qui bouge, je le plombe. Va chercher le directeur. Vous allez tous gentiment rester à terre. On ouvre le feu. Oh, tu viens avec moi. On va au coffre. Je ferai ce que vous voulez. Vous vous sentez fort, hein? À frapper plus petit que vous. Non, je me sens riche. Et le plus petit que moi ferme sa gueule s'il veut pas prendre une balle. Avance. C'est la fin de la... C'est la fin du truc. Hein. Combien de gardiens au coffre? Un seul. Mais armé? Je sais pas. Si je vois un flingue, je tire. Donc tu lui dis de pas faire de conneries. Ça dépend que de toi. Avance, du con, ou je transforme en saucisse. Et je te donnerai à manger à mon staffy. Le directeur est sympa, avance. Il coopère. Tout le monde obéit gentiment. Pas vrai, mon pote? Avance. Vous vous en tirerez pas comme ça. Ça finit toujours mal. Occupe-toi de ton cul, tu veux. Si tu veux voir ta fille grandir. Ah, ça va faire mal. Bien les mains en évidence. Et tu ça va faire mal une balle dans le. Une balle dans le pied, ça va faire mal, hein. Ça va faire mal une balle dans la main là.
permis de s'enfuir. Faut chercher ailleurs. On est riche, putain, on est riche. Jésus Marie Joseph. Arrête de chialer. On se tire. On se tire, ouais. On s'arrache, rouille. On s'arrache. Ah, je m'en fous. Rouge. Ah, je m'en fous. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vas-y. Allez, roule. On va où? On s'en fout, faut semer les flics. Il y a un nouveau gars qui est arrivé. Mais putain. Oh merde. Putain, merde. Bon. Ok. Shit.